Le résumé de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les premiers versets qui lui furent révélés. Les cinq premiers versets de Sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'être humain d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. C'est lui qui a enseigné à l'être humain au moyen de la plume. Les différentes catégories de son prêche. La révélation. Avertir ses proches. Avertir son peuple. Avertir les Arabes qui n'ont pas reçu d'avertisseur avant lui. Et avertir l'humanité entière et tous ceux qui auront reçu son message parmi les djinns et les êtres humains. Les étapes de son prêche. Tout d'abord, le prêche en secret. Il dura les trois premières années de la révélation. Puis, le prêche en public. Il le déclara ouvertement lorsqu'il reçut le verset suivant. Proclame haut et fort ce qui était ordonné. Les premiers à avoir cru en lui. Parmi les hommes, Abu Bakr al-Siddiq. Parmi les femmes, Khadija, la fille de Khuwaylid. Parmi les enfants, Ali ibn Abi Talib. Parmi les domestiques, Zayd ibn Haritha. Et parmi les esclaves, Bilal ibn Rabah, l'Éthiopien. Quelques-uns des premiers compagnons à s'être soumis. Les membres de sa famille, ses filles entre autres, crurent en lui. Puis Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubayr ibn Al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Khabbab ibn Al-Arat, Suhayb al-Rumi, le Romain, Ammar ibn Yasir et sa mère Soumaya, Abu Ubaida ibn Al-Jarrah, Uthman ibn Mad'oun, Abu Salamah ibn Abd al-Asad, et Utba ibn Ghazwan, qu'Allah leur accorde à tous son agrément.